Là où vous allez trouver plus de comédiens, c'est dans les églises bâtiments. Les vrais pasteurs, les vrais hommes de Dieu, ils ne sont plus dans les églises. Ils sont dehors. Ils sont dans les métros. Ils sont partout. Voici vos pasteurs. Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Réaction sur cette vidéo, le pasteur John Cena. En fait, on était habitué à voir des catchs américains à la télé où les gens tombaient, les gens se réveillaient. On était habitué à voir des catchs américains où certaines personnes poussaient les gens. Mais aujourd'hui, les catchs américains se passent à l'église. Voici une vidéo qu'on nous a envoyée d'un pasteur John Cena. Regardez comment ce peuple est pavané dans l'ignorance, en train de faire des gestes qui vont déshonorer le nom de Dieu. Et les gens qui sont en train de crier Amen, les gens qui sont en train de soutenir cette chose, les gens qui sont en train de donner accord à cette chose. Je viens ce soir vous dire que là où vous allez trouver plus de comédiens, c'est dans les églises bâtiments. Les vrais pasteurs, les vrais hommes de Dieu, ils ne sont plus dans les églises. Ils sont dehors. Ils sont dans les métros. Ils sont partout. Ils sont loin. Ce que vous voyez aujourd'hui dans vos églises bâtiments, ce sont des aventuriers, des féticheurs, des gens qui se sont imposés hommes de Dieu pour jouer avec vous. Regardez un peu ce qui se passe ici. Regardez. Avec ça, vous voulez qu'on puisse adorer Dieu. C'est triste. Mais nous allons nous laisser à travers cette vidéo et nous revenons. Voici le pasteur. Vous avez vu? Dieu dit, nous allons les reconnaître par leurs fruits. Voici leurs fruits aujourd'hui. On crache sur vous. On vous piétine. On prend votre argent. On vous insulte. On vous maudit. Et vous ne parlez pas. Parce que je respecte les pasteurs. Daddy, daddy, daddy de qui? Si eux, ils sont le loin de Dieu, nous sommes les poupées de Jésus. Toi aussi, tu es loin de Dieu. Dieu t'a choisi pour le servir. Mais parce que tu es tellement ignorant que tu laisses ces personnes te détruire. Alors l'heure est venue où vous devez vous réveiller et prendre vos sacs et vous lever. Car si vous continuez à suivre ces personnes, vos vies ne vont pas changer. Vous allez dire que je suis méchant. Je ne suis pas méchant. Nous nous levons pour combattre ces mœurs, pour combattre ces images. Parce que si un païen se lève et qu'il regarde ce qui se passe ici, ce païen ne va plus venir à l'église. Il ne va plus suivre Dieu. Ça c'est quoi? Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous, car Dieu a besoin d'un peuple qu'il adore en esprit et en vérité. Pas dans la comédie. Mais on va vous envoyer à Hollywood. Vous devez aller à Hollywood. Le lieu où tu peux voir le plus de comédiens, des acteurs, c'est à l'église bâtiment aujourd'hui. C'est là-bas qu'il y a des acteurs. C'est là-bas qu'il y a des hypocrites. C'est là-bas qu'il y a des hommes de Dieu qui sont en train de pavaner le nom de Jésus. Aujourd'hui, on ne respecte plus l'église à cause de vous. Même le gouvernement des pays ne respecte plus l'église. Créez pour moi des prisons pour les faux pasteurs. Créez des prisons pour ces personnes. Quelqu'un comme ça, vous le mettez en prison. 4 chicottes par jour, 5 chicottes par jour. Il lit la Bible pendant 448 jours. Il répète tous les versets, les points, les virgules. Il ne va plus faire ses bêtises. Imaginez que c'est à votre frère qu'on fait ceci.
Imaginez que c'est à votre petite sœur qu'on fait ceci. Mais si une femme commence à tomber comme ça, qui va l'épouser? Personne. Elle est imbibée de démons, comme ils disent. Vous allez toucher vos fétiches et vous venez faire des miracles embobinés à l'église. Et vous qui allez suivre ces hommes de Dieu, vous connaissez votre fin. Votre fin, c'est la destruction. C'était la vidéo réaction avec Will Gospel. Bonne soirée et soyez bénis.